Un griffon volant en direction de l'Est passe au-dessus d'un château à une vitesse de 50 km par heure. 42 minutes plus tard, un dragon survole le même château. Il se dirige lui aussi vers l'Est et sa vitesse est de 225 km par heure. On suppose que la vitesse des deux animaux est constante sur tout leur trajet. Combien de temps faudra-t-il au dragon pour rattraper le griffon à partir de l'instant où il passe au-dessus du château à quelle distance du château seront-ils à vol d'oiseau au moment de leur rencontre Alors comme d'habitude je t'encourage à essayer de répondre à cette question tout seul en mettant la vidéo sur pause et ensuite on se retrouve pour le faire ensemble. Alors je vais faire un petit dessin pour être sûr de la situation. On a un château, voilà ici, je vais faire un château comme ça, bon je fais une maison, je ne suis pas très doué en dessin, qui est par exemple sur une montagne, voilà. Et donc, on a au-dessus de ce château, eh bien, il y a d'abord, on nous dit, un griffon, un griffon qui vole en direction de l'Est. Donc, voilà, pour l'instant, il passe ici, au-dessus du château, en direction de l'Est. On va dire que l'Est, c'est là, comme ça, vers la droite. Donc, il se déplace comme ça, à une certaine vitesse. Et cette vitesse, on nous la donne, c'est 50 km par heure. Hein. 50 km par heure. Donc, il se déplace comme ça, à une vitesse de 50 Km par heure. Et puis on nous dit que 42 minutes plus tard, 42 minutes plus tard il y a un dragon qui arrive au-dessus du même château. Donc je vais le mettre ici. Et il se dirige lui aussi vers l'est, mais sa vitesse est différente. Elle est de 225 km par heure. Donc le dragon, il se dirige aussi vers l'est, mais sa vitesse, c'est 225 km par heure. Et puis. Il arrive 42 minutes après le griffon. Alors on suppose que la vitesses des deux animaux est constante, donc ils continuent tous les deux à voler à leur vitesse, à la même vitesse. Et ce qu'on nous demande c'est de déterminer le temps qu'il faudra au dragon pour rattraper le griffon. À partir de cet instant-là, ici, comme ça, au-dessus du château. Donc on ne nous demande pas de déterminer si le dragon va rattraper le griffon, on nous dit qu'il va le faire et on nous demande combien de temps après cet instant-là il va l'avoir rattrapé. Donc là, on suppose qu'il y a un endroit où il va le rattraper. Alors disons que c'est ici. Voilà. Ça, c'est l'endroit de la rencontre. Et donc, ils ont parcouru tous les deux cette distance-là. Cette distance-là, voilà. Je vais l'appeler D. Alors maintenant, on nous demande combien de temps combien de temps il faudra au dragon pour rattraper le griffon. Donc ce qu'on cherche, c'est un temps. Alors ce temps, je vais l'appeler T. Je vais le noter ici. Donc T nécessaire au dragon pour rattraper le griffon. Pour rattraper le griffon. À partir du château, évidemment à partir du château voilà alors je dis voilà mais c'est pas tout à fait suffisant parce que on a un temps mais le temps est-ce que je vais le compter en heures ou bien est-ce que je vais le compter en minutes ça c'est à moi de choisir en fait ici si tu veux il y a quelque chose qui complique un peu la donne c'est que on a des vitesses qui sont données en kilomètres par heure hein. La vitesse du griffon et la vitesse du dragon sont toutes les deux données en kilomètres par heure. Mais par contre, on a un temps ici, et le, le décalage de temps qu'il y a entre l'arrivée des deux animaux au-dessus du château, c'est donné en minutes, hein, 42 minutes. Alors il faut choisir. Si tu choisis d'exprimer de le temps T en minutes, il faudra convertir les vitesses en kilomètres par minute, par exemple, pour être cohérent. Et si tu gardes les vitesses en kilomètres par heure, eh bien, il faudra te convertir ce temps-là en heures. Hein. Alors je vais faire ça plutôt, je vais définir ce temps T en heures. Alors maintenant je vais me placer du point de vue du dragon, je vais l'écrire ici, point de vue du dragon, je vais faire euh, une séparation ici, et du point de vue du dragon, eh bien, je peux déterminer le temps qu'il a fallu au dragon pour parcourir la distance D à cette vitesse de 225 km par heure. Hein. Alors la distance D, eh bien, ça va être la vitesse du dragon, donc 225 km par heure, multipliée par le temps de parcours, qui est donc le temps T, hein, que j'ai appelé T ici. Alors je fais juste une petite parenthèse ici sur les unités. Hein. Tu vois qu'on a notre vitesse V ici qui est en km par heure. Et puis je multiplie ça par un temps T qui est en heure. Hein. Le temps T ici, il est en heures. Et tu vois que là, les heures se simplifient et on obtient donc une distance en kilomètres. Voilà. Ça, c'est important de toujours quand même s'assurer qu'il y a une cohérence des unités. Donc voilà, pour l'instant, ça, ça marche. Et maintenant, je vais me placer du point de vue du griffon. Alors, le griffon, lui, il a parcouru cette distance D entre le château et le point de rencontre. Voilà, D qui est toujours la même. Et cette distance-là, il l'a parcourue à une vitesse de 50 km par heure. Donc, 50 km par heure. Et le temps qu'il lui a fallu, eh bien, ce n'est pas le même. Hein. Ce n'est pas ce temps T là, je vais l'appeler T'. Hein. T', c'est le temps qu'il a fallu au griffon pour parcourir la distance D à une vitesse de 5 km par heure. Alors comment est-ce qu'on peut relier t et t En fait, on nous le dit ici hein, le temps, le dragon arrive 42 minutes plus tard. Hein. Ça veut dire que le temps t prime ici, c'est le temps t plus 42 minutes. En fait, le griffon a mis 42 minutes de plus que le dragon pour parcourir la même distance. C'est ça qui est important puisque le dragon arrive ici 42 minutes après le griffon. Donc en fait, t prime. C'est le temps t plus 42 minutes. Mais on ne peut pas vraiment faire l'opération comme ça. Il faut là aussi être cohérent avec les unités. Et donc ici, on a choisi d'exprimer le temps t en heures. Donc il faut convertir ces 42 minutes en heures. Alors je vais le faire ici. En fait, c'est tout simplement une règle de 3. Je sais que 1 heure correspond à 60 minutes. Et je cherche combien d'heures correspondent à 42. Minutes. Minutes. Donc là, il s'agit de chercher la quatrième proportionnelle, si tu veux. Et on trouve que x est égal à 42 sur 60. Alors 42 sur 60, 42 c'est 6 fois 7. 60, c'est 6 fois 10. Donc là, on, il nous reste, en fait, on peut diviser par 6 au numérateur et au dénominateur. Et ça nous donne 7 dixièmes, donc 0,7. La moralité, c'est que ici, ce t' qui est là, en fait, je, je peux l'exprimer comme ça, t prime, c'est le temps nécessaire au dragon t plus 0,7 plus 0,7. Donc finalement, la distance d ici, eh bien, ça va être 50 fois t plus 0,7 t plus 0,7. Voilà, et en fait là on a on a mis en équation le problème, hein, puisque finalement cette expression-là représente la distance du point de vue du dragon, c'est 225 fois t, et c'est la même distance que la distance qu'on a exprimée ici, qui est, qui est la distance des vues euh, du point de vue du griffon, on peut dire ça comme ça. Alors du coup je vais enlever ça, voilà, je vais faire un peu de place. Et du coup, on a une équation. Hein. L'équation, je vais l'écrire ici sans les couleurs maintenant. Je vais prendre une couleur neutre. L'équation qu'on obtient. Eh bien, c'est 225t égale 50 fois t plus 0,7. Voilà. Alors, on va travailler pour résoudre cette équation. Je vais développer le membre de droite et ça me donne donc ici je ne change rien. 225 t égale 50 t plus 50 fois 0,7. 50 fois 7 dixièmes, si tu préfères. Alors ici j'ai 5 fois 10 sur euh, divisé par 10, donc 50 fois 7 dixièmes. En fait, c'est 5 fois 7, c'est-à-dire 35. 35. Et donc, maintenant, ça, ça me donne. Alors, je peux soustraire 50t de, des deux côtés. Donc, au membre de gauche, je vais avoir 225 moins 50, c'est-à-dire 175. J'ai dit 175. 175t égale à 35. Et du coup, je peux diviser par 175 les deux membres, et j'obtiens que T est égal à 35 sur 175. Alors on va simplifier ça. 35 c'est 7 fois 5. Et 175, eh bien c'est 25 fois 7. Et donc tu vois que je peux en fait diviser par 35 le numérateur et le dénominateur. Donc au numérateur, il me reste 1. Et puis au dénominateur, il reste 5. Alors t est égal à 1 sur 5. Alors ça, c'est des heures. Ce n'est pas très pratique. On va convertir ça en minutes pour voir un peu plus clairement. Alors 1 cinquième d'heure, c'est 1 cinquième de 60 minutes. Donc finalement, t est égal à 60. Minutes divisé par 5, et ça ça fait 12. Donc T, c'est 12 minutes. Voilà la réponse ici, le temps qu'il faudra au dragon pour rattraper le griffon à partir de l'instant où il passe au-dessus du château, eh bien c'est 12 minutes. Alors ensuite on nous demande à quelle distance du château seront-ils à vol d'oiseaux au moment de leur rencontre Donc en fait on nous demande de calculer cette distance D. Alors ça je peux le faire à partir de n'importe laquelle de ces deux expressions. Je vais prendre cette expression-là. Donc c'est D égale alors la vitesse 225 fois. T le temps de parcours mais il faut faire attention ici toujours cohérence avec les unités parce que tu vois ici on a une vitesse en kilomètres par heure et donc évidemment il faut que exprimer le, le temps T en heures aussi hein. ou alors convertir la, la vitesse en kilomètres par minute et garder le temps T en minutes hein. on sait que T c'est 12 minutes mais on sait aussi on l'a vu tout à l'heure c'est un cinquième d'heure hein. donc ici dans cette formule il faut que je prenne t exprimé en heures. Donc t ici c'est 1 cinquième. Donc finalement la distance d c'est 225 divisé par 5. Ça fait 45. 45. Et là ce sont des kilomètres. Kilomètres puisque la vitesse d était en kilomètres par heure. On a multiplié par des heures et il nous reste des kilomètres. Voilà. Alors c'est pas tout à fait terminé parce que en fait le problème a une suite je vais te la faire apparaître voilà on nous dit Latania et Jaini ont tous les deux traduit le fait que le dragon soit plus à l'est du château que le griffon par des inéquations correctes mais différentes Latania a écrit T supérieur à 12 et Jaini a écrit T supérieur à 54 comment Latania et Jaini ont-ils défini leur variable T alors c'est c'est intéressant ici là le, la question qu'on se pose c'est quand est-ce que le dragon sera plus à l'est du château que le griffon Donc plus à l'est c'est par là-bas. En fait, c'est ce qu'on se demande, c'est à partir de quand le dragon aura dépassé le griffon. Et donc c'est pour les instants postérieurs ou à l'instant qu'on a déterminé tout à l'heure, qui était, on l'a rappelé, égal à 12 minutes. Alors tu vois ce que dit la Tania ici, elle a écrit T supérieur à 12. Donc elle dit que au bout de 12 minutes, le dragon sera plus à l'est que le griffon. Donc au bout de 12 minutes, le dragon aura dépassé le griffon. C'est exactement ce qu'on a dit ici. Donc en fait, la Tania elle a défini le temps à peu près de la même manière que nous, mais pas tout à fait pareil, puisque ici en fait elle a pris un temps exprimé en minutes. Hein. Donc la Tania elle a fait le même choix que nous, mais en minutes. Voilà. Par contre, Jaini, c'est un peu différent parce que lui, il a écrit que t est supérieur à 54. En fait, tu vois, 54, c'est 12 plus 42. Hein. Donc, en fait, Jaini, lui, il a pris comme temps t le temps exprimé en minutes aussi. Hein. Le temps en minutes nécessaire au griffon, cette fois-ci. nécessaire au griffon pour être rejoint par le dragon, pour être rattrapé, hein, pour être rejoint par le dragon à partir évidemment de la verticale du château. En fait par rapport à ce qu'a fait la Tania c'est juste l'origine du temps qui change. Voilà c'était une vidéo un petit peu longue mais un problème assez intéressant. A bientôt